Prends le micro. Oh les gens, salut YouTube. Deuxième partie sur ce DLC d'Alan Wake, le signal. Incroyable. Save qui a inauguré la commande ban qui ne fonctionne pas évidemment. Bon, évidemment, hein, tous les liens dans la description, la playlist, tout ça, le jeu complet, la première partie du DLC, tout ça. Du coup, qu'on devait être attaqué par des livres. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant. Ah! Venez, oui! Esquive! Voilà, ça c'est le mauvais délire, tu vois. Là, faut surtout pas. Non. C'est là où ils ont été malins. Tu peux faire apparaître aussi des trucs qui sont contre toi, quoi. Non! Mais non, mais j'étais à côté du lampadaire, putain! Mais merde! Mais non! Attends. On garde la lumière en l'air. Je m'étais fait avoir à cause de ça en plus. Les lampadaires sortirent du sol, clignotant férocement et crachant des gerbes d'étincelles. Dans la pénombre, Wake distingua de trop nombreuses silhouettes fonçant vers lui, impatientes de l'égorger. Ah, c'est carrément bizarre. T'es trop bizarre. Marie, tout ça vient vraiment de mon esprit. C'est comme ça ici, Al, c'est tout. Tout ça, c'est dans ta tête. Ton imagination n'est pas toujours ton ami ici. Non mais t'inquiète Tu pars si t'as des trucs à faire pour toi. Mais t'inquiète pas, t'es à la bourre de rien du tout. Putain, je me fais défoncer. T'inquiète pas, y'a pas de... C'est un bonus le best-of. Mais à plus du coup. Enfin, t'inquiète hein. Oh, attends, c'est aquatique là. La terre trembla. Les lampadaires sortirent du sol. Clignotant férocement et crachant des C'était bien parti, hein. Ah, c'est carrément bizarre. T'es trop bizarre. Marie, tout ça vient vraiment de mon esprit. C'est comme ça ici, Al, c'est tout.
Tout ça, c'est dans ta tête. Attends, mais... Ok. Attends, mais... Mais non... Ouais, t'inquiète. Je suis à la bourre, c'est que je suis à la bourre. Non, mais merci, je me dis, je peux dire, voilà, t'embête pas. C'est déjà bien d'avoir un best-of 2, 3, 4. T'inquiète, du bonus, ça fait plaisir. Ah putain. Écoute, ça se bine bien, ça va? Non. Ouf. Thor Anderson, le dieu du tonnerre, l'alcoolo enragé qui manie le marteau. Allez, venez tous affronter l'âge du chaos et de la tempête. Découvert par Barry Wheeler, ce nouveau porte-parole d'une époque révolue propose des solutions innovantes à des problèmes ancestraux. N'essayez même pas de sortir de votre librairie sans avoir acheté la Bible du bricolage maison. Complètement marteau, frais face signé Barry Wheeler. Incroyable. Devoir ouvrir cette porte avant de pouvoir entrer dans l'entrepôt. C'est par là le chemin. C'est moi qui invente tout ça. Pourquoi c'est si compliqué? Parce que t'es un type compliqué et que personne ne comprend. Mais je parlais. Marie. Putain.
Oh. J'attends des esquives en plus. Ok. Hein? Ok. C'était étrange, mais bon. C'était beau. C'était beau. Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que c'était mon côté du lit. Il entra dans le piège, encerclé par ses ennemis. Wake n'avait nulle part où aller. J'en ai marre de toi. Effet de lumière. Allez. Eugent, enfin re, du coup. On apprécie ça, hein. C'est ce genre de... Oh, ce bruit ne me dit rien qui vaille. Non. Non. Ouais, c'est, il est bizarre, OBS. Enfin, c'est Twitch plutôt. Attends, c'est du cheat. Moi, ça marche plus. Oui, vu comme ça. Attends, je vais attendre direct. Je vous fous une fusée éclair dans la gueule. Non, non. Y'a pas moins de le brain le jeu.
maintenant. Putain. Je veux dire, ouais, j'entendais un, il m'étonne. Ah, putain, j'en peux plus. Je crois que toute cette poussière relance mes allergies. Tu n'es même pas vraiment réel. Peut-être, mais mes allergies sont bien réelles. Attends, tu vois? Mes allergies. Il y en a du stuff, hein. Putain, mais... Merde! Ici. Yep. Non, je crois pas, non. Arrête, ils nous attendent en bas. On n'a pas le temps de... Alan. Je savais qu'elle n'était pas vraiment là, mais ça m'atteignait quand même. J'avais sauvé Alice, mais j'ignorais depuis quand exactement. Des jours, des semaines, plus que ça, impossible de le savoir. Le truc le plus facile, c'est-à-dire brancher la batterie. La beauté musique des musiques qui a perdu noir l'oasis de paix en période de crise. Le nouveau livre de cette photographe réputée récompensé par un musée des crayons. C'est loin d'être le truc le plus simple, hein, crois-moi. Je pense facilement le truc le plus dur, je pense. Je pense de tout ce qu'on peut faire sans Restart, je pense que... Les putains de bindage de merde récepteurs à la con. Entre les firmware, les machins, les EU, LBT, machin, truc muche, les FCC. Insupportable. Le R9, j'ai mis quoi? J'ai mis 5 heures avant de comprendre.
Un autre, j'ai mis facilement 3 heures. Et là, il y en a un qui est. Je suis toujours câblé avec le XM+. Je sais pas, ils vont faire une gloire. Va faire Sky 2 mes deux là. Ouais, il est compatible. Bah non, il est pas compatible en fait. Ah! Je suis en train de m'enfermer, c'est pas grave. Oh, c'est utile, non? On va s'en sortir. On s'en sort. On s'en sort. Voilà, on s'en est sorti. En fait, c'est quoi la plus grosse connerie des FR Sky? Ah oui, c'est de dire que les XM+ sont compatibles Access, alors que pas du tout, hein, ils sont compatibles que XTST. Donc tu t'amuses à foutre un firmware Access sur ton XM+ en pensant que c'est compatible, mais pas du tout, c'est faux. GG. On a vraiment sur des modes différents. Hey, 205, yes, Sky. J'ai quelque chose pour toi. J'espérais juste qu'Alice allait bien. J'ignorais ce qui lui était arrivé depuis sa sortie de l'entre-noir. Me casser la gueule. Sen ? C'est vous ? Ils sont ouf. Comme pour rien, je Ah, oh, t'inquiète. Je sais, le mien est déjà. Voilà. Tout est réglé comme du papier à musique. À moins qu'ils en sortent un nouveau. Et dans ce cas-là, oui, je changerai. Mais. Oui, mais voilà. Souris un peu plus. Non. Mais merci du conseil, hein. Tu dois avoir. On fera de la race, oui. Un peu dur. Tu sais combien les gens adorent les types un peu dangereux. La race, tout ça. Regarde-moi ça, c'est incroyable ça. Oh, allez, tu passes ton temps à écrire des horreurs. Les gens aiment penser que tu n'es pas complètement étranger à ce sujet. Tu tues Kazé dans ce livre. Tu dois ressembler un peu à un meurtrier. Je sais pas si c'est voulu ou pas que ce soit pas texturé des fois. L'air classe. Je sais même pas en fait. Et dangereux. Tu sais, j'étais pas sûre que la barbe soit une bonne idée, mais j'avais tort. Ça te va bien. Ok, cette je case, crois que c'est bon. Cool, j'ai hâte d'enlever ces fringues. Hé, hey, ça s'annonce bien. Le danger, ça stimule. J'avais que cette caisse. Je travaillais encore à l'époque. J'avais l'impression d'être un véritable écrivain. C'était un bon souvenir. J'aurais voulu ne pas le voir. Oui. Oui, non. Va filer un drone de merde à un mec qui s'est piloté, va dire c'est quoi cette double. Je peux t'assurer que tu files mes réglages actuels à un mec qui s'est piloté, il me chie à la gueule, clairement. Bon, ils vont regarder faire qu'est-ce que c'est quoi. C'est quoi cette merde? C'est quoi ces règles à la con? C'est quoi ces PID de merde? Mais effectivement, en changer tout le temps, c'est pas bon par contre. Tu vois. Ça, c'est vrai. Ah, non, merde, j'ai vu que cette question. Ah, ok, d'accord! Très bien. Ah, tu as eu le changement, il y a plus longtemps de la daube. Tout est relatif. Nous on considère bien ou pilotable, tu vois, ou agréable. Les pros ils disent que c'est de la merde. T'imagines pas leur don comment ils sont sharp et tout, c'est abusé. Après, tu peux donner le meilleur des drones au plus mauvais des pilotes, ça fera rien. Tiens. On est de retour à New York là. Cette musique, oh, putain. Putain de réveil, ça m'agace. Il est où? Deux flingues comme Max Payne. C'est quoi, je m'en fous. De quoi?
Vas-y. Hein. Super torche renforcée. Il y avait ça dans le jeu de base? Zen, comment je fais pour sortir d'ici? C'est ce que vous affrontez, c'est vous-même maintenant. Les ténèbres, elles arrivent. Elles l'ont englouti, perdu. Ils le savaient. Ils le savaient. Ils n'en pouvaient plus. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'issue. Non, ah, je suis là. Les choses Zen, tournaient mal. C'est pas moi. C'est juste, je sais pas, un écho, une hallucination. L'ombre noire. L'ombre noire n'est pas la cause de tout cela. C'est vous. Vous êtes prisonnier de vos propres cauchemars. Vous luttez contre vous-même. Wake ne comprenait pas. Il ne s'en sortirait jamais. Il ne se réveillerait jamais. Il serait englouti par cette vague de ténèbres. C'était imminent. Tais-toi ! Ah ! Non, Alan, vous devez... Balayé par toute cette folie, Zen avait disparu. Wake sentait la pression, dévorait son esprit. Les ténèbres n'étaient pas si affreuses, elles étaient en lui. Il le sentait, il savait que la voix ne mentait pas. Il était simplement trop difficile de réfléchir. Il ne parvenait pas à comprendre. Il ne pouvait pas, il voulait arrêter de penser et se laisser aller. Juste se laisser aller. Ah. J'ai quête. Un suicide est cool. Non, ça va, le Rubik's Cube, ça va. T'as déjà train le Rubik's Cube, ça va. J'ai bien un truc bien noué dans le nom. Ouais, faudra plus qu'un Rubik's Cube, malheureusement. Et de rien. Toujours utile. Continue. Cette horreur était une horreur inimaginable. Il aurait été tellement plus facile d'abandonner. Putain. What? Une pensée. Oh le bâtard. Non, simu. Ah oui, tu sais, je l'ai fait 3-4 fois en vrai. Bah voilà, c'est bien ce que je voulais. Je me dis, ouais, t'as rien passé du Rubik's Cube avec un Tini en URS. Je me dis, bah, c'est chaud là quand même. Hein. Là, Rotor Riot, il peut laisser. Tu vois. Tout est violent, tout est violent ici. Il savait qu'il pouvait abandonner
Oui, ça va le faire. Pas si je le... Si j'ai le power loop moi avec le 013. Je crois que j'essaie de power loop mais bon c'était compliqué. Je suis pas trop fan des meubles vivants tu vois. Ah moi ça. Détends-toi, Alan. Hartman. C'est dans votre tête. Vous avez tout imaginé. Non. Allons, ouais. Allons. Voyons. C'est du délire. C'est du délire. Tu comptes à peu près une heure et demie pour un DLC, sachant que le premier DLC était gratuit si t'achetais le jeu neuf et que de toute façon le DLC je crois coûtait 6,99€ à l'époque, ce qui était quand même raisonnable pour une heure et demie de cette qualité. Enfin, en tout cas moi à mon niveau je veux bien payer 7 balles pour ça quoi, ça me dérange pas quoi. Sûr que c'est un peu moins soutenu que le jeu principal, mais ça reste sympathique. Du coup maintenant, le DLC numéro 2, l'écrivain, on fera mardi prochain. Je suis curieux, parce que je sais pas, je connais pas. Du coup on va peut-être apprendre des choses sur l'histoire, peut-être que ça va conclure l'histoire. C'est incroyable, il y a peut-être une fin à Nowak. Ce sera incroyable.
Je me rappelais même pas de cette musique. Le DLC, je l'ai fait qu'une seule fois. Peut-être deux fois. Bah, deux fois, pardon. Bon, pour un coup, il finit à l'heure. Toujours au top, évidemment. Extraordinaire jeu. Oui, bon, on va pas se retaper le générique, hein, on l'a déjà fait une fois, on sait. On sait. Du coup, les 40, ouais. Hein. On va partir en pause, de toute façon. On va pas se retaper David Bowie, hein, même si j'aime beaucoup. Bon. Ouais. Bah, du coup, moi, c'est sûr que MX, théoriquement, je vais pas finir à 23h, hein. Je devrais pouvoir le finir avant 23h pour une fois. Et c'est la dernière soirée où on joue à MX. Normalement, il me reste deux maps et c'est fini. J'aurais fini tout ce qui est en solo. Oh, merci, sans façon. Vraiment. Du coup, fin de VOD. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la VOD ici. Lien dans la description, évidemment. Tout ça. Lien secondaire. Lien principal. Compte secondaire. Ouais, je vais installer la Xbox avec vous. Je vais rester avec vous pendant ce temps-là.